Alors, avant de m'inscrire au CNAM, en fait, j'ai fait un DUT de chimie. Ensuite, après le DUT de chimie, je me suis inscrite en licence. Et après ma licence de chimie, j'ai voulu poursuivre dans une école d'ingénieur en apprentissage, mais je n'ai pas réussi à trouver de contrat en entreprise. Donc, du coup, je me suis inscrite au chômage et en parallèle, je me suis inscrite au CNAM pour poursuivre mes études parce que j'avais vu qu'en tant que technicienne, l'expérience professionnelle ne m'avait pas forcément beaucoup plu, donc je voulais poursuivre de toute façon mes études. Je me suis inscrite d'abord dans deux filières différentes. Une filière, donc la filière des génies des procédés et la filière génie analytique. Et puis au bout d'un an, je me suis aperçue que la filière du génie des procédés me plaisait beaucoup plus par rapport à l'expérience professionnelle sur lesquelles elle pouvait me donner des débouchés, et puis par rapport à ce que j'aimais. Donc j'ai poursuivi pendant 4 ans au génie des procédés, en chimie industrielle à l'époque ça s'appelait. Et puis voilà. À l'époque, j'avais la chance, entre guillemets, de ne pas avoir d'enfant. Mon mari, lui-même, était apprenti, donc on était quand même dans un cycle d'apprentissage à la fois professionnel et d'études. Donc on était à peu près dans la même optique. Il me soutenait quand même beaucoup. C'est vrai qu'après mon travail le soir, je devais venir sur Paris. J'habitais en banlieue parisienne. Je venais le soir sur Paris prendre mes cours et je rentrais. Donc, il m'avait préparé mes petits plats pour pouvoir manger un peu. Non, j'ai bénéficié d'un grand soutien familial et puis aussi d'un grand soutien professionnel. Parce qu'à la fin de mon cursus, du cursus au CNAM, il faut valider un projet professionnel. Et j'ai pu le faire là où je travaillais. Par contre, au lieu de le faire sur 9 mois, je l'ai fait sur 18 mois, à mi-temps sur mon métier et à mi-temps pour mon projet, pour le CNAM, pour mon diplôme. Après m'être inscrite au CNAM, je me suis inscrite aussi dans des boîtes d'intérim. J'ai pu travailler pendant un an sur d'abord des postes d'intérimaire, ensuite des postes de prestataire, notamment chez Total. Et enfin, j'ai réussi à décrocher un poste en CDI à EDF en tant que chimiste en centrale thermique au charbon. Donc, j'ai poursuivi tout mon cursus au CNAM tout en travaillant en tant que chimiste en région parisienne dans une centrale thermique à flamme. Alors, une journée type, je me levais, j'allais au travail pour 7h30 le matin. Je faisais ma journée de travail, j'apprenais aussi mon nouveau métier, ma nouvelle entreprise. Je travaillais toute la journée et ensuite, à partir de 17h, je reprenais un TER, j'allais sur Paris. J'apprenais généralement, c'était 2 heures de cours qu'on avait le soir, et je rentrais chez moi sur les coups de 22, 23 heures. Ceci 2 à 3 fois par semaine, et le samedi, donc c'était toute la journée. La quatrième année, non, la troisième ou quatrième année de mon cursus au CNAM, il a fallu que je négocie avec mon employeur pour pouvoir bénéficier d'une journée complète le jeudi. D'absence, donc je prenais mes congés en fait le jeudi pour pouvoir enfin venir en cours toute la journée du jeudi. Donc ça a été validé par mon employeur. Donc ça tombait bien parce que mon chef de service lui-même était passé par le CNAM, donc connaissait le cursus et m'a permis de valider mon année de cette manière-là. Donc à la fin de mon cursus complet, au bout de 4 ans, quand j'ai reçu mon diplôme, je ressentais une énorme fierté. J'ai commencé à en parler à mes collègues, puisque finalement, j'en avais pas trop parlé, hormis mes hiérarchiques proches. Une énorme fierté aussi vis-à-vis de mes parents qui m'avaient soutenue aussi dans mon cursus scolaire. Et puis évidemment, une grande fierté vis-à-vis de tout l'appui, le soutien que j'avais reçu de mon mari. Et enfin, une grande sympathie, une compassion pour l'équipe du CNAM qui m'avait suivi jusque-là, puisque en fait, ces 4 années ont quand même été très difficiles de venir en cours le soir et le samedi. Et l'équipe pédagogique, la sympathie et la passion que nous transmettent l'équipe pédagogique est primordiale pour poursuivre le cursus jusqu'au bout. Donc une fois que j'ai vu que j'allais obtenir mon diplôme, j'ai cherché en interne à faire valoir mon diplôme que je m'étais payé moi-même. Ça se correspondait à un moment de ma vie, en même temps où je demandais une mutation géographique sur la région lyonnaise.
Donc j'ai demandé en interne, j'ai cherché un poste en tant qu'ingénieur. Et j'ai réussi à trouver un poste d'ingénieur dans un centre d'ingénierie de conception des centrales nucléaires à Lyon. Donc grâce à cette formation, j'ai nettement augmenté mes revenus. Et au-delà de ça, je me suis aussi ouvert d'autres perspectives professionnelles. D'un cadre en fait, dans une grande entreprise qui, si s'en donne les moyens, peut évoluer sur plusieurs thématiques, plusieurs champs. Et actuellement, d'ailleurs, je suis dans le domaine du management. Après un passé de manager, aujourd'hui, je suis en appui au manager en centrale nucléaire, en animant les managers du site, en étant en appui aux managers sur la construction de leurs projets de management, en concevant et animant des formations en management.